Vous pouvez parler, hein, j'efface la bande son. Hein. Ouais. Ah oui, je peux dire place de bois là. Ouais putain, enculé. Ouais, tu peux dire ce que tu veux. Ça marche bien ça, hein. Ouais, c'est ma. C'est Stacy, c'est ma gamine qui bloque. Bah oui. Bah, allô, ouais. Non, mais Nikon, c'est ce qui est. Ouais, ça le fait. Ça va. Après, faut souvent être prêt malgré le zoom. Hein, parce que... Ah bah oui. Tu prends loin, le moindre tremblement, plus le zoom ça est gros et plus ça. C'est un widescreen. Ouais, ton... widescreen, ouais. Et le problème, c'est que. Bah oui, mais ça. Ça, ouais. C'est pas le. On appelle ça le truc de. Oula, là, ça peut être comment. Pourquoi il filme. Ah, il fait. Ouais, zoom, non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle le truc que tu mets au bout des appareils photo, les paparazzi là? Qu'est-ce qu'il a ton homme? Un zoom. C'est un téléobjectif. Téléobjectif. Je savais que c'était pas zoom. C'est... Zoom, c'est le fait de zoomer. C'est une quéquette là. Ouais. Nous on est punis, on reste là. Ben non, mais là tu veux ou tu. Quand tu veux. Tu filmes. Ah bah moi, du moment qu'il n'y a que vous là-bas, c'est bon. Puis après, tu fais ce que tu veux, tu bois un café, tu peux faire l'amour, tu fais ce que tu veux. Ah ouais, c'est bon, pas l'amour, t'attends qu'on soit parti. Tu es en train ou pas, Daniel? Non. Mon belge m'a ouvert. Mon fixe, ça répondait pas. Bon, ça va, ta petite femme au niveau trajet là. Oh, c'est dur, hein. Non, c'est chiant à venir. Bah là, le truc, c'est que dans cette une semaine, il devrait avoir une piole à l'intervalle là-bas. Ah ça, oui, tu en as parlé, oui, la nuit du lundi au mardi et la nuit du jeudi au vendredi. Ce qui éviterait qu'elle fasse des trajets pour rien, tu vois. Enfin, moi, la nuit, je peux l'emmener le lundi matin ou par en train le lundi matin et puis je vais la rechercher le lundi soir, enfin, le mardi soir. Ça va remonter la libido un petit peu, ça te faire des fous, des sentiments. Bah, tu sais, on vit comme ça depuis longtemps. Il y a une dizaine d'années, au début, on était ensemble, elle a été mutée à Cergy-Pontoise. Oh. On avait tout en double, l'appart en double et tout ça. Donc, on a vécu ensemble, d'accord. Mais pas ensemble pendant plus de 5 ans. Donc, le pire est passé, je pense. Ouais. Elle habitait à côté de chez moi, préfecture. Cergy-Préfecture, oui. Saint-Christophe. Ouais. Derrière la préfecture. Je ne rappelle pas tout. Ouais, j'habitais tout devant la préfecture. Tout le coin agréable, quoi, Herblay, tout ça. Ouais. Ah, moi, j'étais à la Tour Bleue, moi. Pas de l'Herblay. D'accord, ok. Hermont, Bonne, les Trois Fontaines. Alors, tu vois ce que t'es. Bah, moi, j'habite en face. Stein, c'est une gardien. Hein. Elle habite à côté du parc. Bah oui, à la préfecture, d'ailleurs, la patinoire. La patinoire, je sais pas si elle existe encore, c'était la plus grosse casse. Oui, la plus grosse casse en France. Toujours. C'est énorme. Bah, papa, il l'avait en client. Elle existe encore. Tous les gitans, ouais, c'est un truc de fou. Ah, bah oui, attention. C'est chaud. Alors, tu vois ce que tu parlais ce matin, Brian, que vous êtes séparés pendant un laps de temps, machin truc. Moi, j'habitais Cergy-Préfecture. Marco, habitait Boussainville. On se connaissait pas, attention. Que dire le truc de fou, son père dépannait les ascenseurs chez Coné. Ah oui, d'accord. Et ceux qui venaient à la Tour Bleue, parce que mes parents étaient gardiens, c'était Coné. D'accord. Et moi, j'ai jamais connu son père quand j'étais avec, mais je suis sûre de l'avoir vu au moins une fois dans ma vie. Je suis sûr, parce que les ascenseurs, ils dépannent tous les jours. En plus, je suis à dedans. Bah non, s'il était en panne, c'était pas mon père, celui il ne venait pas de toi. Il est juste à la vie, il ne tombait plus en panne jamais de la vie. T'as raison, quand Virginie, elle les mettait sur le parachute, t'as raison. Ouais, je serrais les coins sur les éclipses. Merci, Lily. Ça, j'ai fait 4 ans. Ah ouais. C'est mon père qui m'a fait rentrer dans la boîte. Bah, Fiat, c'est moi qui l'ai refait pendant presque 5 ans, 4 ans et demi. Ah ouais. Il y avait 24 tacos. Donc on habitait côte à côte sans se connaître. 2 monts de charge. 4 monts de charge. Ouais, bah, elle est pas restée sur. Elle est allée à Ony aussi. Ony ouais. Ma soeur, elle est au Moulinard. Après, Cormeil en Parisie. Ony, ouais. Puis Saint-Ormeau. Moins bien déjà. Cormeil, ouais, ça craint. Cormeil, oh là là. Oh putain. Elle est sûre, elle est. T'as 2 Cormeil, Vexin et Parisie. Ouais. Parisie. Là-bas, qui rentre dans sa classe pour embarquer des gamins, ils avaient quoi, 15-16 ans. Ouais. Trafic de coke et tout dans le lycée. Ah, qui craque les pinces et tout. Mais quoi, mais quand elle était à préfecture, elle était où au collège? Quand elle habitait à Cergy, elle était à Ony. Ony. Elle bossait à Ony. Ma soeur, elle habitait au Moulinard. Oui. Et de toute façon, quand elle bossait à Cormeil, c'est pareil. Hein. Quand elle bossait à Cormeil, elle habitait toujours à Cergy. Mais c'était un raid jardin, tu vois, c'était un truc. Ouais, ouais, derrière. Je vois tout à fait où c'est. Ouais. Tout petit, tout glauque, payé une fourgon pour ça en plus. Payé combien? 500 et des bananes pour 12 mètres carrés. C'était ça, voilà. Ça pendant 5 cher. Ans, après elle veut, après elle est. Mais c'est cher là-bas parce que c'est la nouvelle ville. Ça allait encore, Cergy, tu parles de ça il y a 15 ou 20 ans, mais 5 ans c'était encore bien. Quoi. Quand ils ont commencé à construire Cergy Nouveau, ils rompent le soleil, ça c'était bien. Mais après c'est la merde d'aller. Mirapolis. Bah le problème. Mirapolis. Moi je connais bien, j'ai un pote qui bosse à Montréal. Ouais, Montréal, bah oui.
C'est quand même c'est plus tranquille par là. J'étais à Saint-Christophe au terminus. Ouais. Hein. Ouais. Bah, ma soeur habite Saint-Christophe. Là, c'est, moi, je trouve que ça s'est calmé par là. Ouais, il y a eu une période où ça, ça partait en couille, chaud quand même. C'est que de la résidence. C'est pour ça qu'on ne met juste pas sur le meuble noir. Merci. Sinon, je top. D'accord. On a m'avait dit, on vous mille avec Lily. C'est une furie. C'est bien, c'est que t'as des menaces de mort, mais c'est enregistré dans la boîte. Ah oui, j'ai enregistré des menaces de mort, Lily, en fait. Ça enregistre. C'est dans le travail. Moi, je vous fais des bisous, bonne soirée. Bon, moi, Alex. À très bientôt. Bisous chez toi. Bisous. J'y vais de ce pas. Ça marche. À très bientôt, mon ami. Ça marche. Je te prends juste pour mon bon. Il n'y a pas de soucis, j'ai mis de côté. C'est pas mon jour, de toute façon. J'ai mis de côté. J'arrive à le faire. D'accord. Le père qui serait bien, tu peux ouvrir ta tour et prendre les photos sur Facebook. Rien de tout, nickel. Ah, je change encore la tour. Et on est sur l'église en posant. Bon, mais ça, j'en juste la tour en intérieur. Ouais. Ah, oh, le pas beau Olivier. Vous avez pas beau Olivier, c'est-à-dire, vers ses mains. Comment ça va? Bonjour, rappelez-vous. Bonjour. 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 Vous voulez acheter une œuvre? Mais c'est pas que je veux pas, c'est que je n'ai pas vraiment les moyens. Regarde. Il y a eu une césarienne. Ouais, j'ai vu qu'il y a eu une césarienne là. Ouais, j'aime bien celui-là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça va-t-il bien, vous? Ouais, ça va. On va prendre filmer. Salut, Alex. On va prendre filmer. On va prendre filmer. Moi, je voulais mettre une photo sur Facebook hier, parce que j'ai pas le temps. Merci. Moi, c'est pour faire une vidéo en boucle sur la page d'accueil du site que je vais construire. Mais c'est bien, bien, bien. Ouais, voilà. Bien, bien, bien. Bon, jeudi, grosse chaleur, ça remonte mercredi, puis jeudi, ouais. C'est l'apogée, ça vient d'Espagne, une grosse vague de chaleur qui arrive d'Espagne, 27, 29 degrés. 36 salons. Quoi? 36 salons. Là, si tu parles du salon. C'est oh, il y en a plus, elle m'a envoyé une photo hier, avant-hier de Tenerife. C'est bon, le retour, parce que elle était. Elle avait été en déplacement au Royaume-Uni pendant 2 semaines, alors... Ouais. Grand soleil, machin, grand plage... Mais qui est-ce? Ouais. Ouais. Donc voilà, quoi. Tenerife. Elle aime bien nous narguer avec ses belles photos. Bah oui, ça c'est pas une con. Bah t'as qu'à envoyer une photo de la guinguette. La France, voilà. Est belle. Il y a des quoi en France, mais pas toute l'année, quoi. Le décor reste magnifique, mais après, l'image, on les a pas avec... Tu vois, en Ardèche, c'est magnifique quand il fait beau. Ouais, la taille. Je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu. Quand le vice-côté du coin est tellement courageux. Ah. Je dis que le vice-côté du coin est tellement courageux. Il n'a pas de chance, celui-là. Bah, on va faire une double. Non, mais maintenant.